T'as envie de te baigner, toi? Qu'est-ce que je fais? Ça bouge sur le pont, ça bouge. Ouh, arrête de sauter. Ça bouge. On va aller plus loin. Ouais. On va aller plus loin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le vlog du week-end à Mille. Comme d'habitude, vous avez l'habitude, je vous fais un vlog à chaque fois. Et aujourd'hui, donc nous sommes le samedi, combien? Le samedi 11 décembre, il est 14h16, je vous prends très très tardivement. Hier soir, je me suis écroulée de fatigue. À 21h30, je dormais sur le canapé. Bon, Julia s'est couchée plus tard, donc du coup, moi, je me suis un petit peu réveillée et puis j'ai lu. Parce que bon, faut pas déconner, hein, on est en week-end à Mille ou on l'est pas. Donc hier soir, j'ai lu quand même quelques livres, enfin livres graphiques. J'ai lu le tome 1 des crocs, j'ai lu le tome 2 des crocs et je me suis endormie sur le tome 3 qui est un petit peu plus gros que les deux autres. Donc j'ai fini ce matin, je suis très contente, voilà, j'ai découvert cette trilogie. J'avais lu le premier tome lors du Quai du Polar. Puisque Adeline avait acheté le premier tome et donc ça, ce sont ces tomes, hein, voilà, elle me les a prêtés. Donc je suis contente d'avoir découvert cette trilogie, c'était sympa. Voilà, lire c'était plutôt pas mal, une petite enquête policière on va dire. Donc 70 pages pour l'un, 70 pages pour l'autre, 96 pages pour le tome 2. Ensuite, donc ce matin j'ai continué une de mes lectures en cours, je suis dans Capitale du Nord. Citadin de demain, le tome 1 de Claire Duvivier, paru chez les Forges de Vulcain. J'étais par là. J'étais à la page 236, j'ai lu jusqu'à la page 305, donc il me reste plus grand chose, il doit me rester même pas une centaine de pages, non, même pas 50, un peu plus. Voilà. Allez, 70 pages. L'objectif c'est de le finir ce week-end là, parce que faut pas déconner, hein. Je finis très peu de livres en ce moment, donc d'ailleurs vous voyez le point lecture que je viens de tourner à l'instant, donc j'ai 3 livres et je n'en ai plus en ressources. Voilà, je n'ai plus rien à vous présenter, donc il faut au moins que je finisse un livre pour le point lecture de la semaine prochaine. Après, j'avais envie de graphique, parce que ça va toujours très vite le graphique, donc j'ai lu, je le prends à l'envers, c'est un manga, Le mari de mon frère, le tome 4, donc j'ai fini aussi cette saga de manga. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai trouvé ça super. Avec des bonnes réflexions sur l'homosexualité, le mariage pour tous, etc. J'ai beaucoup aimé, donc... je vais rendre ce tome 4 et je vais clôturer cette saga. Et puis, en parlant de saga, j'ai continué Princesse Sarah, Meilleur vœu de mariage, de Audrey Alouette, Moretti Duclos. C'est marrant parce qu'à Montreuil il y avait Audrey Alouette, mais alors il y avait une queue et les gens faisaient pas dédicacer Magic Charlie sur le stand de Gallimard, non, ils faisaient dédicacer Princesse Sarah. Donc voilà, bon, c'est très chouette, hein. Ça passe toujours très très bien les Princesses Sarah, et puis je vais voir pour emprunter les suivants. Je sais pas s'ils les ont, mais j'aimerais bien continuer. Oh, c'est plutôt pas mal comme bilan, hein, déjà. Nous sommes donc samedi 14h et je suis à 428 pages. Voilà, je note tout sur mon petit carnet, sinon je ne m'y retrouve pas. 428 pages, je suis presque à la moitié. Là, j'ai le montage de ma vidéo point lecture à faire. Encore faut-il que j'ai la place devant l'ordi, parce que je ne sais pas si Lionel n'est pas en train de jouer. On verra. Il faudrait que je fasse aussi le tag de Noël de Pikiti. Mais bon, bon après, voilà, là où j'en suis, l'objectif, ça va être de finir celui-ci. Et il me reste 2 graphiques de la bibliothèque. Parce qu'hier, en fait, la bibliothèque m'a appelé pour me dire « Ah, votre commande, j'avais passé une commande, bah j'étais le dimanche à Montreuil. »
J'ai passé une commande pour me prendre la brigade des cauchemars tome 1, 2, 3, 4, je crois. Donc ils m'ont appelé pour me dire que c'était disponible, que je pouvais venir les récupérer. J'ai dit oui, je passe après mon travail, 18h30. Et en fait, je suis rentrée. Et j'avais complètement zappé. Donc la pauvre bibliothécaire a dû m'attendre. Donc j'ai pas ces graphiques-là qui auraient pu agrémenter un peu plus mon week-end à mille. Mais bon, je me fais pas trop de soucis, j'ai plein d'autres graphiques maintenant. Alors, donc j'avais pris un Mickey et la Terre des Anciens. Voilà. Je sais pas si ça va être bien, j'entends pas de super retours. Bon, c'est Mickey, ça fait des années que j'ai pas lu Mickey. J'étais abonnée au journal de Mickey, si vous voulez tout savoir. Et je les ai toujours hein, chez mes parents, tous les journaux de Mickey. Et je m'étais pris aussi Sunlight. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Franchement, je sais pas. La phrase derrière m'avait donné pas mal envie. Le cauchemar fait place à l'horreur. Ça vendait du rêve, non? Bon, bah voilà, écoutez, c'est tout. Je vais aller voir si je peux monter ma vidéo. Et puis me replonger peut-être dans un petit roman. On est allé faire les derniers achats de Noël. On a pris des coffrets de jus de fruits. On est allé à la distillerie Gautier. Donc il y a un petit musée de l'alambic là-bas. Donc voilà, puis on a fait quelques petits achats. Et au retour, on a mangé au restaurant. Je me suis baffrée. Le Mondeur. Vous avez vu l'assiette? C'était énorme. Ben, j'ai tout mangé. Tout mangé. Et donc là, on est de retour et on va se calmer un petit peu parce que là, on a sorti un petit peu des sous quand même, hein, clairement. Donc, on va rester tranquille cet après-midi. Ah, vas-y, Julien. Viens, Sullivan. Vas-y, tu joues quoi? Vas-y, je vais jouer. Tous, attends, on prend. Ah, oui, elle les avait tous. Hein. Oui, c'est bon, c'est toi qui les as tous. Oui, c'est toi. Allez, allez, c'est bon. Donc tu comptes 7 points. Attends, t'as la vidéo là, c'est bon, on va vérifier, j'ai pas tout pris. Hein. Nous sommes dimanche soir, il est 18h12. Non, vous verrez pas trop de lumière. Donc dimanche 18h12, j'ai quasiment pas avancé aujourd'hui puisque j'ai lu. Donc j'ai commencé Blé Noir hier soir. Je suis page 107, donc au final j'ai pas trop mal avancé puisque je suis quasiment à la moitié du livre. Mais bon, 107 pages. Et j'ai lu sur ma liseuse Biotaniste, donc c'est un des 25 sélectionnés pour le PLIB 2022. C'est une grosse bricasse, je l'ai vu en vrai à Montreuil, il était énorme, énorme, et j'ai lu 67 pages. Donc en tout, je suis à 727 pages lues pour ce week-end à 1000, donc il me reste beaucoup trop de pages à lire ce soir. Mais bon, on va continuer, je pense, Blé Noir. Et pourquoi pas lire Sunlight qui risque d'aller assez vite. Et il fait 160 pages, donc ça pourrait me rajouter des pages rapidement. On va espérer. Bon, il est plus que temps d'ouvrir la case d'aujourd'hui puisque je ne l'ai pas ouverte. Donc pour info, moi j'ai le calendrier Nocibé. Et on est le combien? On est le 12. Où est le 12? Il est là-haut. Alors, vous le savez sûrement, je ne mets quasiment pas de maquillage. Et là, c'est surtout des produits de beauté. Voilà, ça va être du maquillage. Je
Désolée, la lumière est toute pourrie. J'arrive même pas à faire le focus. C'est quoi ? Le Shiny Kiss. Oula, ça doit être du rouge-rouge. Bon, j'en avais eu un au premier. Mais c'était plus une teinte naturelle. La rouge, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, après, j'ai pas eu que ça. Hein. J'ai eu des masques, du visage. J'ai eu un démaquillant. J'ai eu des petits gants, un petit gant exfoliant. J'ai eu une pince à épiler. J'ai eu du vernis. D'ailleurs, je l'ai là. Voilà, c'est vernis. Voilà, très, très pâle, très clair. Bon, bah, on verra pour la suite. Et sinon, Julia, elle ouvre un calendrier que j'ai acheté sur la boutique d'une copine donc, qui se lance dans la couture. Et donc, je lui ai rempli avec des petites surprises tous les jours. Je vous montrerai demain, je pense. Et bonjour, nous sommes lundi 13 décembre, il est 11h18, je reviens pour vous parler de ma progression d'hier soir. Hier soir, j'ai lu Blé Noir, j'ai terminé, il fait 219 pages, donc j'étais à 1007 pages, cool. Je n'avais pas compté aussi les petites histoires de Noël que je raconte à Julia tous les soirs, donc on a lu 3 histoires, j'ai regardé 12 pages en tout, pour les 3 jours. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez, c'est 24 histoires pour attendre Noël et donc c'est un calendrier de l'Avent et du coup voilà, on est au 13e jour et voilà, vous avez une petite histoire sur la préparation de Noël dans un village. C'est plutôt sympa. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai lu Sunlight aussi hier soir et c'était franchement glauque. Très glauque comme histoire et l'histoire est assez stressante de personnes qui font de la spéléo et en fait qui tombent dans un trou et qui se retrouvent au fond d'une mine sans avoir grand chose à boire, à manger, etc. et sans savoir si on va venir les secourir. Donc voilà, c'est tout pour ce week-end à 1000. Je pense que je vais continuer un petit peu le vlog pour vous présenter un petit peu mes lectures parce que du coup j'ai pas d'obligation de clôturer ce vlog aujourd'hui. Je pense que je vais le continuer un petit peu, sachant que vous verrez, je ne lis pas énormément pendant mes semaines de boulot. Je vous reprendrai peut-être un petit peu mercredi et puis voilà, on fera peut-être une semaine entière ensemble. Ça pourrait être sympa. Ça changera un petit peu du seul week-end à 1000 que je fais régulièrement. Mais je suis contente, voilà, j'ai fini ce week-end à 1000, c'était mal barré, mais je l'ai fini. Là, je vais pas tarder à aller chercher Julia à l'école. Elle est retournée à l'école puisque vendredi, on l'avait récupérée un petit peu en urgence puisqu'il y avait un cas positif dans sa classe, donc on demandait à ce que les enfants soient testés pour revenir en classe lundi. Donc elle a été testée, elle est négative, elle est retournée en classe pour son plus grand malheur. Et donc on verra bien. On verra bien si ça tient la semaine, s'il n'y a pas d'autres cas positifs. Sinon, à partir de 3, ça ferme. Donc on verra. Voilà, je vais profiter, je vais ranger un petit peu. Et puis, je vais aller chercher Julia. Et cet après-midi, je travaille. Et coucou. 22h tout pile, dis donc. On est lundi, je viens de revenir du boulot. J'avais conseil municipal. Je viens de prendre ma douche, je me suis mis en pyjama, mon pyjama de Noël, Daisy. Et on reprend le petit train-train quotidien, c'est-à-dire pas beaucoup de lecture. Je suis dans une lecture en VO. Oui, j'ai un rythme de lecture pourri, mais je lis en VO. Ça n'arrange pas mon rythme de lecture. Alors c'est une lecture commune qu'on fait avec le Cozy Book Club. Et je suis grave à la bourre. Parce que normalement la première semaine il fallait lire les 8 premiers chapitres et la seconde semaine 8 autres chapitres. J'ai lu. Je suis au chapitre 6. C'est très compliqué de lire en VO parce que j'ai un rythme catastrophique. Il me faut le triple de d'habitude pour lire un chapitre. Donc j'avance
tout doucement. Et je suis aussi, ça je vous en avais parlé lors du week-end à Mille, je suis dans Biotaniste. Et bien sûr, ma liseuse est éteinte, donc je vous montrerai pas grand-chose à part le logo Fnac. Et là, par contre, je suis à combien de pourcents? 16. Truc comme ça. 12%. Ouh là là, j'étais optimiste. 12%. Voilà, bah 12% de Biotaniste. J'aime bien pour l'instant. Ça va. Bref, là je vais me plonger un petit peu dans For the Wolf. Et puis on verra bien si je m'endors ou pas. Demain, c'est boulot toute la journée, de 8h à 18h30. J'ai juste à 17h15, je me fais vacciner. Pour. Alors c'est pas la troisième dose, moi c'est une dose de rappel parce que j'ai eu le Covid en janvier. J'ai eu ma première dose en mai et donc là en décembre, le rappel. On va faire débat, vous choisissez ou non de vous faire vacciner, c'est votre choix, on n'en discute pas plus, moi je me fais vacciner demain. Donc potentiellement mercredi, je vais être capoute, parce que la dernière fois j'avais énormément mal au bras, bon ça, voilà. Mais surtout le lendemain j'ai eu de la fièvre et j'étais fatiguée au possible, j'ai fait une sieste l'après-midi, je me suis couchée à 19h30, donc potentiellement mercredi, vous n'allez pas beaucoup me voir. Mais bon, c'est ma semaine de boulot. Ça change un petit peu des week-ends à Mille où vous me voyez lire. Bah là, vous allez me voir pas lire. Allez, sur ce, j'y vais. Bonsoir, nous sommes mardi 14 décembre, il est 20h. Je suis rentrée à 19h10 avec Julia après l'avoir récupérée à la gym. Et donc je me suis fait faire mon vaccin. Pour l'instant ça va, j'ai pas mal au bras, on verra cette nuit hein, si ça se déclenche. Et je suis passée à la bibliothèque chercher mes commandes. Donc je me suis pris la brigade des cauchemars, le tome 1. Le tome 1 c'est Sarah, le tome 2 c'est Nicolas, le tome 3 Esteban et le tome 4, attendez parce qu'il y a mon nom dessus, et le tome 4 c'est Mélissandre. Voilà, le tome 5 vient juste de sortir il me semble, donc je vous le présente pas. Mais voilà, j'ai de nouveau pas mal de graphiques à lire. Bon, bah écoutez, ce soir il y a Koh-Lanta, finale de Koh-Lanta, donc je vais pas beaucoup lire. Là, en gros, j'ai dû lire 4% de Biotaniste en attendant la piqûre, mais encore j'ai pas attendu longtemps, donc j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu un petit peu cette nuit parce qu'en ce moment je dors mal. Et du coup, je me réveille vers les 4h30-5h, je lis une bonne grosse demi-heure, 45 minutes, et je me recouche jusqu'à 7h. Super. Donc ça n'a pas dérogé à la règle, j'ai fait ça cette nuit aussi. Donc ce soir, Koh-Lanta, pas de lecture, et je vous reprendrai demain, en espérant, croisant les doigts, que je ne sois pas énormément fatiguée. Ils viennent livrer les matériaux pour la piscine demain, donc il faut que je sois là. Bon, bah écoutez, je viens de tourner le tag de Noël. Pff, je vous montre l'envers du décor. Ah bah moi j'ai pas besoin de regarder sur YouTube, t'as vu, je l'ai vu en réalité. Ouais, j'avais une petite grenouille qui était là, juste à côté. Donc voilà, tous les livres qu'il va falloir que je re-range maintenant. En vrai, tu m'as montré que... Et oui, là, le canapé il est en lit parce que Lionel ronfle en ce moment. Donc je dors ici. Enfin, à partir de 4h du matin, quand il se met à ronfler, bah, maman, je... Maman, fais attention avec, sinon tu vas devoir me flouter. Ouais, je sais. Bah, je vais te flouter, c'est pas grave. C'est grave. Voilà, regarde, je te floute. Ah, YouTube et casse-bonbon, hein, je vous jure. Comme si vous aviez jamais vu Julia.
Ouais. Ouais. Bah, même sur les couvertures, des fois j'y suis. Et ouais, bah c'est pour ça, faut plus de mettre sur les couvertures. Les couvertures, tu sais ce que c'est les couvertures? C'est des miniatures. Des miniatures. Les miniatures de YouTube. Bon, bref, voilà. Allez, il faut que je renchaille, puis il faut que je sorte les ailes de Julia. Julia veut s'habiller en fée. Non, tu veux juste les ailes? Oui. D'accord. Allez. Enfin, non, je veux tout. Je fais une petite balade dans le froid. Parce que Lionel m'a dit qu'il avait reçu un appel d'un 06. Et il se demandait si c'était pas pour la piscine. Et comme lui, il est au boulot, je me suis dit que j'allais voir si il y avait un camion avec plein de matériaux dedans. Il y a que dalle. Y a rien du tout. Bon, ben voilà. J'ai plus de doigts. Il fait froid. Bon, c'était bien le gars de la piscine, mais du coup, il va m'appeler quand il arrive. C'était une question qu'il fallait faire un chèque ou je sais pas quoi. Oui, gars, on va te payer. C'est bien parce qu'on paye des choses, mais en fait, on n'a aucune autorisation pour l'instant de la mairie. Alors, si la mairie nous dit non, on n'est pas dans la merde. Bon, allez, je vais essayer de décrasser un peu mes chaussures qui sont pleines de boue. Mes chaussures. Bon, j'ai tout donné dans les musiques de Noël. Là, je vous ai fait une playlist. Vous allez... Bon, alors avec les musiques gratuites de la bibliothèque audio de YouTube, hein. Mais vous allez bouffer du Noël, hein. Le tag est en train d'être encodé. Il me faut 8 minutes. Et après, on met sur YouTube. Le camion ne passe pas. Donc il est obligé de se garer d'à côté. Et il va falloir tout décharger avec un chariot élévateur. C'est la merde. Pas grand chose en lecture, hein, même pas du tout, puisque du coup donc le gars est venu livrer, ça a été une galère pas possible, mais bon, on est bien resté 30-35 minutes dans le froid. Et en fait, je vous disais que j'allais me poser là tranquillement à lire sur mon lit. J'ai rien lu. Non, parce que je me suis mis dans le montage du vlog là que vous voyez en ce moment, donc j'ai commencé. Et comme il y a pas mal de rush, ça prend du temps. Et ça m'a pris pas mal de temps. Bien sûr, je ne l'ai pas clôturé, donc je ne peux pas le finaliser. Mais bon, j'ai quand même bien avancé. Je pense que je vous posterai dimanche. Voilà. Si on est dimanche et que vous voyez ça, c'est que j'ai réussi à tenir mes engagements. Non, parce que clairement, un point lecture dimanche, c'est pas possible. J'ai qu'un livre à vous présenter. J'ai que Capitale du Sud et c'est tout. Donc, je peux pas. Si, j'ai Blé Noir. Ah, j'en ai deux. Ouais, bon, ça attendra la semaine prochaine. J'ai commencé à préparer aussi la vidéo pour le bilan de l'année 2021. Donc voilà, tous les chiffres, ce genre de choses. J'ai bien travaillé, je pense. Donc c'est pareil, il faudra que je vous la tourne et j'essaierai de la mettre en ligne la semaine prochaine. C'est un peu brumeux quand même. Un petit peu brumeux quand même. Un tout petit peu. Beaucoup. Oui, un peu, hein. T'as pas envie de rentrer? Quoi? T'as pas envie de rentrer? Non. T'es bien dehors? Comme une pauvrette. Il fait pas trop froid? Non. D'accord, bon. Je vous jure. N'importe quoi. Oh. J'avance pas beaucoup. Chapter 8. Oui, j'avance. Normalement, ça, c'était la première semaine. Voilà, voilà, voilà. Nous sommes jeudi 16 décembre.
décembre, il est 19h52. Je rentre juste du boulot. Enfin, je rentre juste. Je suis rentrée déjà depuis un moment, mais je suis allée chercher Julia, je lui ai fait prendre sa douche, je l'ai fait à manger. Et je vais enfin ouvrir mon calendrier. J'ai dit qu'on était le combien ? 16. Hop, le 16 est ici. Ça sent le masque, non ? Oula. J'arrive pas. Ah non, c'est pas un masque, c'est un miroir. Bon, ça sert toujours. Voilà, bon. Je suis à 30% de biotaniste. Et j'ai avancé dans Force the Wolf. Je suis... J'ai passé le chapitre 8. Donc je suis enfin là où je devrais être depuis une semaine et demie. Mais j'avance. Mon dieu, mais il fait jour. Mais que se passe-t-il? Ouais, je vous prends plus de nuit. Non, en fait, nous sommes vendredi 17 décembre. C'est ma pause repas, donc entre midi et 13h. Donc j'ai à peine une heure, il faut que je me bouge. Mais je voulais vous tenir au courant, parce que cette fin de vlog ne va pas être essentiellement que mes ouvertures de calendrier de l'avant, sinon c'est un peu pourri. Je suis dans For the Wolf. Vous avez pas l'impression, mais j'ai avancé en fait. C'est une cata, la lecture d'anglais, c'est une cata. J'aime bien, hein. Je comprends pas toutes les subtilités, mais pour l'instant j'aime bien. Je suis page 99. Ouh, bientôt les 100. Et ce livre fait combien? Il est gros, hein, 430 pages. Je suis au chapitre 9. Voilà, et pour l'instant j'aime bien. Une bonne revisite du Chaperon Rouge. Même si je vous dis... Il y a certaines subtilités que je comprends pas. On suit Red, qui est la seconde fille de la royauté, hein. Donc elle et sa sœur, elles ont 16 ans. Et juste avant la veille de... Enfin, pour ses 16 ans, Red va être donnée au loup, puisque c'est un peu la tradition dans ce royaume. C'est-à-dire qu'avant les 16 ans, la seconde fille doit partir dans la forêt de... Elle a un nom bien particulier, cette forêt. Wilderwood. Et partir à la rencontre du loup dans l'espoir de faire revenir les rois. Et pour l'instant, toute cette notion de roi, qui ils sont, pourquoi ils sont partis, pourquoi... Je comprends pas. Mais voilà, on suit Red et là où j'en suis, elle est partie, elle a rencontré le loup. Et voilà, il y a des choses... très bizarre dans cette forêt. J'ai l'impression que le gros méchant, c'est pas forcément le loup, puisque finalement c'est le fils du loup qu'elle va rencontrer. Et en fait, il est un peu prisonnier lui aussi de cette forêt, où il y a des sortes de fissures entre le monde et où les ténèbres se déversent. Bref, non, c'est pas mal, pas mal. Je suis aussi dans Biotaniste et je suis à 40%. Ça, je vous le montre pas, hein. Je vous mets la couverture là, c'est tout, parce que c'est un e-book, hein. Biotaniste, c'est pas mal aussi, même si je trouve qu'on est aussi sur quelque chose que je n'appréhende pas forcément tout l'univers, je comprends pas tout. Des fois, on a des sortes d'ellipses où on sait pas trop ce qui s'est passé, on passe du coq à l'âne. Et là, on est dans une sorte de voyage dans le temps, où j'en suis. L'héroïne principale fait son saut, voilà, son saut, et elle se retrouve dans un camp de réfugiés à Calais. Donc c'est bizarre, hein, on est dans une société complètement dystopique et tout, et puis là on se retrouve parmi les réfugiés à Calais. C'est bizarre. Bref, je vais vous montrer vite fait le calendrier de l'Avent. Nous sommes donc le 17. Il faut juste que je trouve où est le 17. Là. Le 17 est ici. Oh, du vernis. J'arrive pas à le sortir. Voilà. Ouh. Vernis Red Pump. Pumps. Eh ben écoutez, du vernis rouge, je n'en ai pas. Voilà, c'est un intemporel, comme ils disent.
La dernière fois, j'avais eu le vernis comme ceci. Couleur nude chair. Donc du coup, ouais, un vernis rouge. Nickel. Allez, je vous laisse, je vais manger parce qu'il ne me reste plus que 45 minutes. Vite. Ce qu'il fait, mais ça tourne, hein. Ça tourne. Reviendra pas. Sinon, ça c'est ma vue de mon bureau. Donc voilà, vue sur le Rhône. Et puis là, et ben, c'est la classe de Julia. voilà. Là, ils ont fermé les volets. Ah, les cours reviennent. Je sais pas ce qui se passe. Il fait beau aujourd'hui. Et là, je rentre les derniers mandats, titres, etc. avant la clôture du budget. Aujourd'hui même, clôture du budget. Une belle pleine lune. On va bien dormir ce soir. Ah ouais, elle est belle, hein. Ouais. Le jeu boy s'est arrêté sur toi. Eh ben ça va, t'as cette petite poney ou il t'en faut encore? Oh non! Je vais aller voir la princesse. Et on vient de terminer la sirène. Un porte-clés en feutrine, couture. On a fait avec Julia, voilà, qui était dans son calendrier de l'Avent. Voilà. Et bonsoir, nous sommes toujours le vendredi. Je ne sais toujours pas la date, je vous l'ai dit tout à l'heure, 17 décembre. J'en profite pour clôturer ce vlog puisque voilà, on a fait le tour. Je vous ai montré une semaine dans ma vie qui est, ma foi, passionnante, vous en conviendrez. Clairement, j'ai pas avancé sur Biotaniste, je suis à 40% du roman. Vous voyez, hein, la semaine, je ne lis quasiment pas. Je me dis que je pourrais vous reprendre, si ça vous a plu, pendant ma semaine de vacances, c'est-à-dire je suis en vacances entre Noël et Jour de l'An. Alors, ça ne sera pas comme l'année dernière. L'année dernière, je vous avais montré ce que j'avais fait pendant mes vacances, c'est-à-dire réaménager toute ma bibliothèque, toute ma pièce bibliothèque, donc c'est-à-dire enlever tout ce qu'il y avait dedans, tout repeindre et tout réaménager. Non, une fois ça m'a suffi, cette année je vais faire tranquille. Je vais pas toucher ma bibliothèque, peut-être qu'on va réaménager la chambre de Julia parce que j'ai un lit chez mes parents, mon ancien lit qui est en hauteur, une mezzanine et tout. Peut-être qu'on va récupérer ce lit-là pour le mettre dans sa chambre. Elle gagnerait en place, elle aurait un bureau, maxi bureau. Mais encore une fois, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que ça va pas être trop compliqué? Bref, beaucoup de questionnements, donc voilà, peut-être pendant ces vacances-là, il y aura ça. Alors je sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un autre vlog pour une semaine encore, si ça vous a plu, ça change un petit peu des week-ends à mille, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient assez redondant, hein, les week-ends à mille, mais bon, il n'y a pas que les week-ends à mille dans la vie. Et bah écoutez, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et moi je vais clôturer ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.